so bamekuma awa na kati ya kisika ina bamebongisa kikuma ina kevwandila mambo ina kuna na kati ya nzila ina boulevard 30 juin benfana zabati na kati ya nkinzi ya yi ba mambo ya mutina mutindu ina betketo mazaba na ntangu ina bake tu baba diskulu wabau ina kesadisa samu na bisalu ya ya salama na mutinu nose ya ufana pe ambote ya ketu bama awa benifona zabati senaref ya bakaka bilumbu na kilumbu ya iya na na ngonde ya chambwadi ya mvula mafunda zole na iya ina basalaka yao samu ya muna bilumbu na yao awa na inti ya beto Republic Democratic ya Congo seleka betike na kuvingila na baina nyoso mebonga masamu na kuza na nkinzi yai betike na kuvingila bao betike na kuvingila mfumu ya inti mpe ba nyoso mekuma awa betike na kumona na ntwadisi kena kutwadisa komini ya Gombe ya ndidiaka anumekuma awa na ba mfumu ya bisalu ya leta bake awa na kati na kisika yae beti nyoso betike na kuvingila mfumu ya inti samu na nkinzi yai. Matondo Mingi, Geneviève Kumba. Merci Geneviève. Nous disions tout à l'heure que la cellule nationale des renseignements financiers est un service de renseignement financier doté d'une autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle du ministère des Finances. La CNRF est dirigée par un secrétaire exécutif assisté d'un secrétaire exécutif adjoint et tous les deux nommés par ordonnance du président de la République conformément à l'article 12 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022. C'est la loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. C'est donc la base légale de cette institution. Et d'ailleurs, l'occasion nous sera donnée ici d'avoir le résumé de cette loi qui sera faite par le secrétaire exécutif de la CNRF. Nous continuons donc ce reportage. Cette fois, c'est au tour d'Astrid au Congo de nous entretenir en langue swahili. Asante bwana Giscard kusema kweli tunapatikana kunako chumba yenye itaweza kuzinduliwa leo itaweza kuhusika na kazi ya CNRF. Yani CNRF tunasema ni kifungo kikuu cha kuweza kujulisha mambo inayohusika na pesa. Wanasema katika lugha ya kimombo Cellule Nationale de Renseignement Financier kwa kifupi CNRF. Utajua kwamba itaweza kuzinduliwa leo na rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuzindua chumba hiyo na wataweza kuonesha vile vile sheria mpya itakayohusika na kuweza kupiganisha hali ya pesa yenye kutokea kwa njia mbaya, nikisema kwamba njia ya kuweza kuuzisha silaha kwa njia ya magendo, kuiba madini na kuweza kuuza silaha kusaidia wanyanyasi ama waasi, yote hiyo ni mpesa inayotokea kwa njia mbaya. Basi CNRF itakuwa inafuatilia kabisa ile yote na kuweza kuangalia namna gani ya kuikanusha. Na CNRF inatumika chini ya ulinzi ya wizara na mambo sawa vile mnaona bwana Alingeti wa IGF na anapatikana pale, ni kusema kwamba wanatumika kazi ya namna moja, lakini yeye bwana Alingeti anachunguza vile vile pesa yenye kuibwa katika mashirika mbalimbali, lakini CNRF yeye iko anafuatilia kabisa mambo inayohusika na pesa, pia kuweza kuonesha sheria mpya yenye itaweza kuundikwa juu ya kuweza kupiganisha pesa inayotokea kwa njia mbaya. Basi mtajua kwamba CNRP iliweza kuundikwa na sheria ya namba 04 juu ya 016 kudako tarehe 19 Julai mwaka 2004 juu ya kuweza kupiganisha tu hali ya pesa inayotokea kwa njia mbaya. Na kazi yake kabisa ni kuweza kujua habari mbalimbali inayohusika na mambo ya pesa na kuweza kuchambua mahabari hiyo inayohusika na mambo ya pesa na kuifuatilia kabisa juu ya kuweza kuistopesha, bwana Giscard kusema. Asanti dada Astrid Congo, nous disions que la cellule nationale des renseignements financiers, la structure centrale
et unique qui a pour mission de recueillir et de traiter des renseignements financiers sur les circuits de blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme et de la prolifération. Tout à l'heure, Godé Kambundi, on a vu un comité d'accueil restreint qui s'est formé, constitué du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il est accompagné du secrétaire exécutif du CNRF et du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive dans les instants qui suivent ici. Toi, ce qui dit là, où est-ce que Giscard Koussema, moi, que j'ai dit que je suis passé, je viens de Moulombo, de la ville province de Kinshasa. Pas moi, ni Nicolas Kazadi, ni Bako Abou, Bakaribi Kala, Bimana, Manzala Nzala, Bakoumou Namchindu, Nzevoka Djachibukondo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bakoumou Namchindu, Kofika, Mouabeu, Utribi Kala, Basanganibwa, Ujumi Kala Moumousse, sur 30 juin, boulevard du 30 juin, Moudibamba, ni Batangi Langana, ni Bikal Bitangi Langana, ni Nzubumunena, wa SNCS, Momo Mwabeu, Kujibu, Bikala, Munzubu Wakala, Uvomikala, Kumwalkan Mungan Jadgiri Boise, Nodobomun Mushindu Jibu, Baman Kwimanan Pila Monj, Binjila, Anubuase, Momai Wakaninda, Amunam Shindu Kufikulu Seka, Lom Sesweu, Mwabeu, Mwaba Wakala, Uvobikala, Benzele Mijimu, Ya Tourism Anyi Nyungulukilu, Yo Yeyi, Ki Mwabuju Bikala Momun Shindu, Kwakaje Bimp, Bapeluja, Anubuase, Mijimu, Ya Na Feb. Imono mwakwikala yenzeka kumusangu ni musangu 11. Senaref nchisu mbu chichinchika chirichikala chumuna mshindu wakulondo sholola malo ampetu ijibubikala ba muna mshindu wakwikala benzana imuka mfui mfui ni kwikala ba muna mwakulondo sholola wakwenza buwase ababonso benzela ampetu mumu mshindu mubi ujikawi ukumbana to ba muna mwakuyenza wakwikala kujumuna mshindu mikuwabu ni kumona mwa kuipesha kabidi banto mboji bari mwa kukeni mwa kusumba bintu bibi biya kunyanga nabi jitungu kibwaluka yi mbeza baka janzubweu biya kanleleweu kujibu mchia kumona mshendo wa kukosa mukaba kuji wamuzu wa bilumbu ujini chakufika kubwaluka nubumvu wa ntukutuku wachibidisha ukarimwikala ujila. Lutter contre le blanchiment d'argent, c'est empêcher tout argent qui vient d'un commerce illicite, par exemple la vente des drogues et tout ce qui a comme opération illicite de rentrer dans les circuits formels. Alors là, on le voit, le cortège présidentiel est en train d'arriver ici sur le boulevard du 30 juin et va s'arrêter d'un moment à l'autre au lieu où nous nous trouvons au siège de la cellule nationale de renseignement financier, c'est la REP. Et ces sièges se trouvent juste en face du grand bâtiment de la direction générale de la Caisse nationale des sécurités sociales, CNSS. Donc le président de la République, voilà, il prend le virage et va devoir s'arrêter ici. On est en plein commune de Gombe sur le boulevard du 30 juin. Pour l'instant, les trafics s'est arrêté entre les tronçons compris entre la régie des eaux, la direction générale de la régie des eaux, et les cimetières de la Gombe. Et pour ceux qui fréquentent donc la capitale quinoise, savent nous situer où nous nous trouvons. Le président de la République vient donc d'arriver. La voiture présidentielle va s'immobiliser d'un moment à l'autre et le chef de l'État va pouvoir descendre pour saluer d'abord le comité restreint qu'on a vu tout à l'heure s'est dressé. Il est constitué du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, parce que cette cellule est placée sous son autorité tutélaire. Et voilà, le président de la République vient donc d'arriver ici.
pour arriver à rénover ces bâtiments de 5 niveaux et qui abritent désormais tous les services de la CNAREF, cette structure qui est chargée de la collecte de toutes les informations et entrée à la lutte contre le blanchiment. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le protocole va devoir décliner le programme, le déroulé du programme qui, pour l'essentiel, est consacré à la découverte. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Premier Vice-président du Sénat, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président de la Cour des comptes, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, CNAREF en sigle, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les magistrats des différentes juridictions de la ville-province de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est sous cette atmosphère empreinte de sérénité et de solennité que nous allons assister dans quelques instants à l'inauguration par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, du nouveau siège national de la cellule nationale des renseignements financiers, CNAREF en sigle. Mais avant cela, l'assistance sera conviée à suivre brièvement les allocutions, respectivement du secrétaire exécutif de la CNAREF et celle de M. le ministre des Finances. Et ensuite, le protocole invitera Son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à la coupure du ruban symbolique suivi de la visite guidée de l'immeuble. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur Adler Kisula Betika Yeye, premier avocat général et secrétaire exécutif de la CNAREF, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstances et la présentation de la nouvelle loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de la destruction massive. Adler Kisula est un ancien avocat général. C'est lui qui est le secrétaire exécutif de ces services de l'État qui bénéficient d'une autonomie financière et de fonctionnement. Adler Kisula, nous disions, c'est le secrétaire exécutif qui pilote cet important service. Il va prendre la parole tout à l'heure pour nous expliquer cette... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, monsieur le premier président de la Haute Cour militaire, monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Madame le Gouverneur de la Banque centrale du Congo, Monsieur l'Inspecteur général des finances, chef de service, Monsieur le coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, les agents et cadres de la cellule nationale des renseignements financiers, c'est la REF en sigle, et moi-même, sommes très honorés par votre présence ces jours au milieu de nous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous profitons de cette occasion pour vous exprimer nos remerciements les plus sincères et vous rassurer de notre disponibilité à accompagner efficacement votre vision d'un grand Congo en développement, débarrassé de toutes les antivaleurs. Au-delà de mots, votre seule présence témoigne de la sincérité de votre ferme détermination dans les combats contre l'impunité et la criminalité financière qui mettent en péril notre système économico-financier et qui entament la crédibilité internationale de notre pays. Votre présence personnelle en cette cérémonie vaut plus que plusieurs mois de séances de sensibilisation, car désormais, ceux qui ne connaissaient pas encore la CNAREF sont informés de l'existence de ces services de l'État chargés de retracer les circuits du flux financier illicite et d'en poursuivre les auteurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la cérémonie de ces jours intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui financent ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangée pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Votre présence parmi nous est une véritable garantie de réarmement moral, une assurance et un motif de soulagement. Excellence, Mesdames et Messieurs, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme demeurent des préoccupations majeures de la communauté internationale et continuent à faire l'objet d'une mobilisation générale de l'ensemble des États. Conscient de ses obligations en matière et des graves conséquences de l'utilisation croissante par les organisations criminelles de son système économico-financier à des fins de blanchiment, notre pays s'est doté depuis 2008 d'une cellule de renseignement financier dénommée Cellule nationale de renseignement financier, CNAREF en sigle. Pendant plus de 10 ans, notre structure a fonctionné très modestement, presque à l'abandon, dans quelques locaux lui cédés par l'hôtel des monnaies, sans ressources humaines et financières suffisantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aussitôt au sommet de l'État et en vue de donner corps, âme et esprit à votre vision de mettre fin à l'impunité, il vous a plu de donner un souffle nouveau à la CNAREF. Dès que vous avez été informé des conditions de travail des agents et cadres de la CNAREF, vous avez aussitôt instruit le gouvernement de doter la CNAREF d'un bâtiment devant abriter ses bureaux et mettre à sa disposition les moyens financiers pour sa rénovation. Ainsi, en septembre 2020, le gouvernement de la République a,
à travers les ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, attribué à la CNRF, lui-même est planté devant vous pour abriter ses bureaux. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement de la République qui, sans atermoiement et avec célérité, a exécuté votre instruction de doter la CNRF d'un bâtiment. Toutes les procédures ayant été respectées, le processus de réhabilitation a commencé en février 2021 pour enfin nous conduire au résultat que voici. Un bâtiment complètement rénové. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo dispose d'une nouvelle loi anti-blanchiment qui est entrée en vigueur le 25 février dernier et qui est conforme aux standards internationaux. Votre implication personnelle a accéléré l'adoption de cette loi par les deux chambres. C'est ici l'occasion pour nous de témoigner toute notre gratitude aux deux chambres du Parlement qui ont assidûment travaillé pour l'adoption de cette loi dans un temps record. Je saisis aussi la présente opportunité pour remercier le gouvernement, particulièrement le ministre des Finances, Son Excellence Nicolas Serge Kazadi Kadimanzouji, autorité de tutelle, qui a défendu brillamment ce projet de loi devant les deux chambres du Parlement et qui accompagne avec une attention toujours renouvelée la CNRF dans l'exécution de ses missions. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, à l'instar de nombreux autres pays de tous les continents, et depuis le 22 octobre 2022, placé sous le régime de suivi renforcé par les groupes d'action financière GAFI en sigle, afin de travailler activement avec ces derniers pour remédier aux défaillances stratégiques que présente son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Cela implique de nombreuses réformes institutionnelles et la dotation des moyens humains, financiers et matériels conséquents aux services impliqués dans cette lutte. Cette situation concerne tout le monde, les institutions tant publiques que privées. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement de haut niveau du gouvernement pris par les ministres des Finances vis-à-vis du GAFI d'exécuter les plans d'action dans les délais convenus, en l'occurrence de 2003 à 2025, pour remédier aux faiblesses du dispositif anti-blanchiment de la RDC. Combattre la criminalité financière, en ce compris le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, n'est pas une tâche aisée. Des menaces et des divers dangers guettent les agents et cadres de la CNRF, qui sont appelés à vivre dans une autodiscipline permanente en vue de parer les coups auxquels ils sont exposés. Quand on lutte contre les criminels financiers, on s'expose toujours à des représailles, comme ce fut le cas de Giovanni Falcone, ce juge italien assassiné par la Cosa Nostra, la mafia sicilienne de lugubre mémoire. Les agents et cadres de la CNRF vous rassurent néanmoins qu'ils ne reculeront jamais face à une quelconque menace et traqueront avec patriotisme tous les inciviques financiers. Dans le but de protéger le tissu économique de notre pays, nous devons tous nous lever pour combattre l'injection de l'argent sale dans notre circuit financier. C'est seulement à ce prix que notre pays sera crédible vis-à-vis des instances internationales. Je ne peux non plus clore ces propos sans témoigner ma sincère gratitude à tous les partenaires techniques de la CNRF qui nous accompagnent tant en équipement informatique, mobilier qu'en renforcement des capacités du personnel de la CNRF, des magistrats
et des agents d'autres services impliqués dans la lutte. Je vous remercie. Éviter l'injection de l'argent sale dans les circuits formels financiers de l'État et démanteler tous les réseaux mafieux, c'est ce qu'on peut retenir de cette intervention. Et pour l'instant, ce sera le tour du ministre des Finances. Bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Nicolas Kazadi, c'est le ministre des Finances et lui, l'autorité tutélaire de la CNAREF. Il va prendre la parole tout à l'heure pour dire également comment il entend lutter efficacement contre le démantèlement de tous les réseaux mafieux de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorable vice-président du Sénat, mesdames et messieurs les autorités du pouvoir judiciaire, chers membres du gouvernement, monsieur le secrétaire exécutif de la CNAREF, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une immense joie que je prends la parole en cette double cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation de la loi anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération et de l'inauguration du bâtiment de la cellule nationale de renseignement financier, CNAREF en sigle. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est de notoriété publique que depuis votre avènement à la magistrature suprême, vous avez placé la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et toutes les antivaleurs qui gangrènent notre pays au centre de l'action du gouvernement. Pour permettre une lutte efficace et efficiente contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est impérieux de garantir aux institutions commises à cette tâche l'autonomie et l'indépendance requises. Il n'y a pas si longtemps, au moment où nous réalisions l'état des lieux de notre dispositif de lutte contre le blanchiment, celui-ci renseignait que notre dispositif manquait d'autonomie et d'indépendance. Il notait des faiblesses significatives, notamment l'inadéquation du cadre légal et réglementaire, un déficit de capacité et tant d'autres. Ces faiblesses, maintes fois décriées par nos partenaires internationaux, notamment à travers le groupe d'action contre le blanchiment en Afrique centrale, le GABAC en sigle, ainsi que le groupe d'action financière, le GAFI, se traduisaient également par le fait que d'une part, la CNAREF, depuis sa création, fonctionnait dans les locaux prêtés par l'un de ses assujettis, à savoir la Banque centrale du Congo, et d'autre part, le fonds de lutte contre le crime organisé, le FOLUCO en sigle, demeurait dans un état de léthargie quasi totale, ne disposant ni de locaux, ni de moyens de fonctionnement. Sous votre leadership, le gouvernement a doté la CNAREF de ce bâtiment moderne de 5 niveaux, offrant ainsi un espace professionnel de travail conforme aux normes et standards internationaux. En inaugurant personnellement ce bâtiment, et cela en dépit de vos multiples occupations, particulièrement marquées en cette période par la guerre lâche que le Rwanda impose à notre pays, vous démontrez encore une fois votre engagement sans faille à lutter contre les antivaleurs et ainsi faire prospérer l'état de droit dans notre pays. Il convient aussi de noter que depuis le mois de juin de l'année passée, le FOLUCO dispose d'une adresse et des moyens de fonctionnement. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, pour la petite histoire, au mois d'octobre 2022, le GAFI a placé la République démocratique du Congo sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Et à cet effet,
un plan d'action a été mis en place pour la période allant de 2023 à 2025. Ce plan peut se résumer à travers les 5 points ci-après. Premièrement, finaliser le rapport sur l'évaluation nationale des risques, ENR, sur le blanchiment des capitaux, BC, et le financement du terrorisme, et en adopter une stratégie nationale appelée stratégie nationale LBC/FT. Deuxièmement, désigner des autorités de régulation pour tous les secteurs des entreprises et professions non financières désignées et en élaborer et mettre en œuvre un plan d'action de régulation basé sur les risques. Troisièmement, doter la CNRF de ressources adéquates et renforcer sa capacité à mener des analyses opérationnelles et stratégiques. Aujourd'hui, ce plan d'action vient d'être réalisé. Ce point du plan d'action, pardon, vient d'être réalisé. Quatrièmement, renforcer les capacités des autorités impliquées dans les enquêtes et les poursuites en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et cinquièmement, démontrer de l'effectivité dans la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en relation avec le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. La mise en œuvre du plan d'action décrit ci-haut nécessite une bonne préparation et surtout des équipes efficaces et compétentes. C'est dans ce cadre que j'ai envoyé au mois de janvier dernier une équipe de 10 experts congolais en île Maurice en vue de s'imprégner de l'expérience de ce pays qui est parmi les rares au monde à être sorti de la liste grise du GAFI en 16 mois. Ce voyage de l'île Maurice a joué un rôle important dans la mise en place de la task force qui va piloter la mise en œuvre du plan d'action du GAFI. Et par rapport à cela, je ne saurais taire l'assistance combien précieuse que nous apportent nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que ce soit l'Union européenne, les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis, la Banque mondiale et tant d'autres que je ne peux citer aujourd'hui, à travers la fourniture d'équipements, la formation d'experts, l'accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'action du GAFI et en particulier dans le processus de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en général. Le rapport d'évaluation nationale des risques a été finalisé le vendredi 3 mars dernier et sera transmis au gouvernement dans les tout prochains jours pour sa validation par l'exécutif. Grâce à votre implication personnelle, le processus de mise à niveau du dispositif légal de lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération a atteint son stade final à travers la promulgation de la dite loi par votre Excellence le mardi 27 décembre 2022. On peut retenir que cette loi apporte plusieurs innovations qui répondent aux standards internationaux. Notamment, elle prévoit la répression de la prolifération, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif, les mesures de vigilance sur les personnes politiquement exposées, le mécanisme de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ainsi que les statistiques. Elle a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le blanchiment des capitaux ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Elle détermine également les mesures visant à décourager ces fléaux ainsi que les dispositions destinées à faciliter les enquêtes et poursuites y relatives. Enfin, elle s'applique à toute personne physique ou morale ou toute organisation justiciable en République démocratique du Congo et s'applique également à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout autre mouvement de capitaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative pour plaire à qui que ce soit. Elle est un grand vecteur de changement. Elle précède et elle suivra le changement des mentalités que vous appelez de tous vos voeux. Elle apporte un changement majeur qui nous concerne tous, que l'on soit responsable public, représentant de la magistrature, opérateur économique ou simple citoyen. Ce changement majeur va appeler à beaucoup de remises en question. Nous devons nous y préparer si nous voulons faire de ce pays un pays plus beau qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à votre vision, j'ambitionne d'amener ma contribution pour porter ce dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux à un niveau encore plus élevé. Ainsi, en vue d'assurer l'efficacité et l'efficience des équipes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, j'ai initié des discussions avec l'Université de Kinshasa visant la création d'un cycle spécial de maîtrise dans le nouveau cadre dit LMD qui va regrouper les étudiants méritants des facultés de droit et de sciences économiques disposant d'une licence afin qu'en 2 années, ils puissent recevoir une formation multidisciplinaire en droit, en économie, en criminalité, en finance, et qu'ils puissent ainsi être dotés d'une double compétence. Cela va nous permettre de renforcer notre capacité de réponse. Cela devrait contribuer à réduire les frustrations, tant au niveau de la lutte, que ce soit nos institutions existantes, CNRF, IGF, Cour des comptes et autres, qu'au niveau de nos juridictions. Et à l'issue de leur formation, ces différentes cohortes seront mises à la disposition de ces institutions pour renforcer la lutte contre les antivaleurs. Je profite aussi de l'occasion pour lancer officiellement sur toute l'étendue du pays la campagne de sensibilisation de cette loi auprès des assujettis, du secteur privé qui est ici représenté et de tous les acteurs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Je vous remercie pour votre attention. Voilà Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, qui vient de dire en d'autres termes le dispositif mis en place pour lutter contre... et la nature hautement sensible de ce service. Et pour une visite aisée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole prit l'assistance de bien vouloir rester assis à la tribune et suivre la suite du dispositif via les écrans géants mis à disposition. Seules les personnalités suivantes seront conviées à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la coupure du ruban symbolique et la visite de l'immeuble. Honorable Premier Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, représentant le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Finances, Madame la Vice-Ministre des Finances, Monsieur le Directeur des cabinets du Chef de l'État, Monsieur le Secrétaire exécutif de la CNRF, très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, à bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique qui sera suivi de la visite. Merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va bientôt couper les rubans symboliques du nouveau siège de la CNRF, cette cellule nationale de renseignement financier. Et voilà, c'est une grande innovation de voir ces services dotés d'une autonomie de fonctionnement avec un siège propre à lui, alors qu'il y a quelques instants, à quelques années seulement, ils étaient confinés dans un tout petit
bâtiment au sein de la Banque centrale du Congo. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Guy Matundu, un habitué de la CNRF. Guy, aujourd'hui, on vient de comprendre le travail que fait la CNRF. Quelle est la différence entre le travail fait au quotidien par la CNRF et celui de l'inspection générale des finances, par exemple? Alors, je voulais rebondir sur vos derniers propos quand vous avez dit que pendant longtemps, la CNRF a évolué dans de petits locaux. Le président, le ministre de la Finance a rappelé, le secrétaire exécutif de la CNRF l'a également rappelé. Il faut dire que c'était une situation anormale. La CNRF était logée dans les bâtiments de la Banque centrale. La Banque centrale qui est un assujetti. Voilà, elle est censée également contrôler les circuits de la Banque centrale pour éviter les blanchiments d'argent. Voilà, il est locataire auprès d'un assujetti, ce qui réduisait sensiblement ses marges de manœuvre et ses marges et son indépendance. Et donc, ce bâtiment qui, je vous rappelle, est situé sur le boulevard du 30 juin, en face de la Caisse nationale de sécurité sociale, fut jadis un bâtiment crasseux qui abritait le service... Squatté par des privés. Voilà, privés qui abritaient le service du ministère du Tourisme. Et donc, en quelques mois, les bâtiments ont été réhabilités par le gouvernement de la République. Ça a été rappelé ici sur l'instruction du président de la République. Et donc, pour revenir à vous, c'est une mission conjointe avec non seulement l'inspectorat général des finances, mais aussi avec l'agence qui est placée sous contre la corruption. Exactement. Et un service spécialisé de la présidence de la République. Et aussi un travail parallèle avec la Cour des comptes. Et donc, ces services fonctionnent en harmonie, en synergie. Et la CNRF, elle, il faut le dire, a été créée en 2004. Elle est devenue fonctionnelle seulement en 2008. Et il faut dire que elle a connu sa vitesse de croisière depuis 2019 pratiquement, depuis la nomination de l'avocat général Kishula Betika Yeye. Et donc, la République démocratique du Congo, au niveau du GABAC, le groupe d'action de lutte contre le blanchiment des capitaux au niveau de l'Afrique centrale, son dispositif a été jugé très faible. Le dispositif de la RDC a été jugé très faible. Voilà pourquoi la RDC a été mise sous régime de surveillance renforcé par le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Donc le RDC il doit avoir un plan d'action pour sortir de cette liste grise. Et je crois que petitement, tout doucement, la RDC pourra sortir de cette liste, parce que parmi les recommandations, il y a bien sûr, il faut que la cellule ait un cadre optimal de travail. Le cadre est là. Il faudra aussi qu'il y ait une loi anti-blanchiment, et le Parlement congolais l'a adopté dans le terme identique. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adopté dans le terme identique. Et depuis le 27 décembre 2002, le président de la République l'a promulgué. Et donc la CNRF est une structure centrale et unique qui a pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et des financements du terrorisme et la prolifération. Voilà en résumé en quoi représente ce service, il faut le dire, jadis méconnu du public, mais depuis 2019, de plus en plus, les assujettis, le public, les opérateurs économiques connaissent de plus en plus c'est quoi la cellule nationale de renseignement financier. Giscard Koussema. Merci beaucoup Guy Matundu. Toute personne physique ou morale, tout groupe de personnes qui s'évertuerait à créer un circuit mafieux devra désormais faire avec ces dispositifs corsés de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les blanchiments d'argent, même la fuite des capitaux. Je parlais tout à l'heure de l'inspection générale des finances, dont la spécialité est justement d'éviter des fuites des capitaux. Donc l'argent qui sort des circuits formels vers des circuits mafieux, vers des privés. Et en revanche, ces privés-là cherchent parfois, viennent avec de l'argent sale qui viennent
des activités prohibées, non connues comme la vente des drogues, la vente des armes, mais qui cherchent à rentrer par des procédures de banque, rentrer, et ça c'est le travail de la CNRF. Donc, et voilà comment on essaye donc d'assainir les finances de l'État. Et la CNRF... Jusqu'à, il faut dire qu'ils sont très regardants à chaque fois qu'une transaction est faite et cette transaction est au-delà de 10 000 dollars. Donc, la traçabilité. La traçabilité, c'est pour répondre aux exigences de la convention de Bâle, donc de Bâle en Suisse. Donc au-delà de 10 000 dollars, ça devient suspect. Mais vous savez que chez nous, on a encore cette faveur-là. Il y a quelques instants, j'étais à Addis Abeba et là, par exemple, les messageries financières ne sont pas autorisées à sortir de l'argent de l'Éthiopie vers l'étranger. Et donc, si vous avez de mes services comme MoneyGram, comme Western Money et tout ce que vous connaissez, ces services-là ne font que recevoir de l'argent qui vient de l'étranger, mais ne peuvent pas sortir l'argent de ce pays vers l'étranger. Voilà un mécanisme particulier adopté à ces pays-là pour protéger son économie. Alors, ici chez nous, effectivement, il y a toute une batterie de mesures comme celle-là. Nul ne peut sortir d'un guichet de la banque centrale plus de 10 000 dollars, par exemple. Voilà pourquoi les transactions s'arrêtent autour de 9 000 dollars. Donc, il y a toute une batterie de mesures. Et puis, la CNRF a une compétence internationale. Donc, un pays, dans le cadre de la coopération financière internationale, un pays peut solliciter deux informations auprès de la République démocratique du Congo. Et lorsque ce genre de requête arrive, c'est au niveau de la CNRF qu'on essaye donc de retracer pour pouvoir prévenir, détecter et réprimer pour décourager ces fléaux. Comme je le disais depuis le début de ce reportage, je suis avec mes collègues de langue nationale. Alors, Geneviève Koumba avec vous, nous allons tenter donc d'expliquer à tous ceux qui nous suivent le travail quotidien que fait ce service, la CNRF. Sele kabapanga luzolo mutindu mutu blakaya unantono noti bisalu ya ya CNRF yake bisalu ina kisadisa samu na inti ya beto mbongo ina ya imbi kikatuwaka na bisalu ina ya kufuwa na ve kifuanusu ina baketo teksilaka bachunga ya ngolongolo to ina baketo sumbilaka minduki samu ya kuzakota na bank yake diambu ina CNRF kenuana na yao samu ya salama ve na inti ya beto Republic Democratic ya Congo. Seleka abame tendula mutindu baba ndila kakisalu mutindu wetu tubaka tintononu na yao ya bandaka tete na mvula mafunda zole na iya ti ya mekuza banda kusala kisalu na yao na mutindu mosi ya kufuana na mvula mafunda zole na nana mba vandaka tete balokater mutindu wetu kibukidilaka yao kasi ba mekuza baka kisika ya mbote ya kusadila kisalu na mutindu ya kesalimina kapena baiti ya nzenza nde yao keseke awa mfumu ya inti mekatuka na kuzenga kitendi ina kemonisa to ina kepesa ba mfumu ya samu mba sala bisalu na kati ya inzo ya ibame baka ya ikena boulevard du 30 juin ya imetala na senses kisika bake salaka ba mambu ya kusadisa mkangu nde kisika inzo ina ya CNRF kele beti kena kuvingila mfumu ya insi animekota na kati, animezenga nsinga animekota na kati, aniketala mutindu bifikula to na kati kuna mutindu ya kele pe mutisamu ina kisalisa nkangu ya sala kisalu na mutindu mosi ya kufuana pe ya mbote mpanya mmevu tudilangi mikro Matondo Mingi, Godé Kambundi, nous disions tout à l'heure en début de ce reportage avec vous que le travail qu'attend ces services est très délicat lorsqu'il faut faire face à des groupes mafieux dans un pays où nous avons une guerre d'agression et où il y a également beaucoup de groupes armés. Il va sans dire qu'il y a beaucoup de circuits informels et donc cet argent, on cherche parfois à des voies et moyens pour qu'il puisse rejoindre les circuits formels, entrer dans nos banques et alors que la loi l'interdit. Je pense que de ce côté-là, la CNRF aura beaucoup de travail.
Chidwamba chochi jiskar kusema bwalo wase kudiba bunyi badibikala bayemo malo akusumba bingoma kupanisha bingoma bakwa badibikala bapanisha jamba bakwa bajumbikala myanda ya kamfu infumikolo idimikali yenza bwase umfalanga idibikala bapeta mu metu myaba mishishilani jiba panisha bintu mji bingoma nibikwa byonso badibalo na impinje yobwa kuri bweje nasha kubibuchilu bikwa bo byamunda maditung kibwalo kai uvumo na bwase Nicola Kazadi wafu mkutakula bwase kudibantu ba senaref ba kuabu ba vumi kana mutuma tonu kuluseka lwa il Maurice anubo umanye byaka na bwa kushindo ujukengele kuluisha bantu babiaba badibikala bajinga bwase mfalanga ya ditunga kayika di monu mokupeta lwendu lwa kana nash bwal bwase jibe didibobu bantu ab bikala benze mijimu ya mibinungu bidibikele kuikala ba kuabu bilonde shela mei ni mikandu bikadi bifatula ni mushindo jibulongolo jebu bujibu kenge jebu bwase bikala balonde sha bantu babiaba bangonda vya bikala benze mijimu mibi anubwase mfalanga kai mono mushindo wa kuikala mujiso mbali yakana anye mujifuye kana jikumbana jijikenge jibo bwa kwenza bunaye muji mujubi kengele to bwalo bwa ujumo na bumu muditu ngede to mbamba bwase kako ina muntu uri mwako patulo kuchibuchilo mfalanga mito wa ku binunu jikumi ja ndola ya mwana mwena Amerika karipa $10,000 mumakulu wa mfalansa karipa ju sanga na mko wa muntu wende wende na imuchibuta ufumana yini kuluseka lwa province kampanda mumana kukala mpanishe jamba jenda mpanishe bingoma mpanishe bintu biko wabu anyi muiba mabwa muye na wabu kupanishe miyabu miko wabu abintu ya mshindo kubi miko mantu kubwa luka yi mbenza chisumbwechi anyi mujimwewu wakumu na mshindo wakwenza wakala kuluishe mantu wa mshindo wa jiskari kusemi. Face à Kidila Tatou, Astrid, au Congo, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a deux personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais sans qu'elles ne soient capables de justifier leur provenance. Et donc, ce genre de personnes sont présumées procéder au blanchiment d'argent parce que n'ayant aucune activité connue, mais brasse beaucoup de moyens, on le voit en tout cas. Et de ce côté-là, ces genres de personnes sont parmi la cible de la CNRF. Hakika inafaa kabisa CNRF aweze kufuatilia watu wa namna hiyo, sababu mtu hawezi kuwa na pesa nyingi zaidi na akuwe anaitoa katika benki pesa mingi zaidi na hawajue fasi gani pesa hiyo inatokea. Inafaa wakati mtu iko na pesa mingi, inafaa inchi iweze kujua pesa hiyo inatokea wapi, anafanya kazi gani juu aweze kuwa na pesa hiyo mingi zaidi. Ndiye chumba cha CNRF leo kinazinduliwa na raisi wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye anaweza kuzindua chumba hiyo bwana Adler Kisula, katibu anayehusika na kazi ya CNRF. Anamshukuru kabisa rais wa jamhuri kwa kuweza kuwapatishia namna ya makao hiyo. Mnaona pale rais kisha kukata kitepe cha kuzindua ya kufungua milango ya nyumba hiyo ya CNRF, sababu CNRF ilikuwa inapangishwa kunako benki kuu ya Kongo na leo inakuwa na mafasi yake kawaida. Ndiye kuna pewa mafasirio namna gani wataweza kuwa naendelea kutumika kazi, sababu ukomo kabisa ya kazi ya CNRF ni kuweza kufuatilia kujua kabisa pesa yenye kuingia katika mfuko wa serikali, pesa yenye watu wako nao mingi zaidi kumikono inatokea wapi, sababu inafaa kupiganisha pesa yenye kutokea kunjia mbaya, sawa vile kwa njia ya kuweza kuuzisha kuweza kuuzisha silaha, kuweza kusaidia wanyanyasi, pesa ya wizi yote ile CNRF atakuwa anafuatilia kabisa na kuwa na kanusha kuhatarisha kustopesha pesa hiyo yenye kutokea katika njia mbaya, njia yenye haiko halali. Basi ndiye ni jambo kubwa kabisa kuona kwamba inafaa kupiganisha hali ya unyanyasi wa uchumi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu pesa ya inchi inapaswa kutokea katika njia halali, njia yenye kustahili. Hiyo ndiyo pesa nzuri yenye inapaswa kuleta maendeleo katika inchi. Ingawa kama mtu kuna pesa nyingi, inafaa jamhuri inchi yetu iweze kujua pesa hiyo inatokea wapi, kitu gani anauzisha, anafanya ni uchuuzi gani anafanya juu aweze kuwa na pesa hiyo yote. Na wakati anaenda kunako benki, sababu pesa inalindiwa kwenye benki, wakati anaenda kwenye benki hawezi kutoa kiasi cha
elfu milioni kumi ya dola kimarekani kwenye bank. Wanapashwa kumuliza pesa hiyo yote unatosha jua kwenda kufanya nini. Sababu wengi wanatosha pesa mingi ni kusema kwamba anda kusaidia watishaji, kuwauzia silaha, kuweza kuwasaidia ili waweze kuendelea kunyanyasa inchi. Basi nafaa inchi ikuwe nafuatilia, na ndio kazi kabisa yenye Senaref itakuwa inafanya, kwa kuwa nafuatilia kabisa pesa yenye watu wako wanatumikisha ndani ya inchi iko inatokea wapi, inatokea katika njia gani. Wengine wanafanya uchuuzi wa tumbako kali yetu tunasema bangi. Inafaa Senarefa anafuatilia watu wa namna hiyo, sababu ni pesa yenye inatoka katika njia yenye haiko halali kabisa, ni pesa mbaya. Inafaa kabisa Senaref awe anafuatilia yote ile. Ni kazi kubwa kabisa yenye Senaref itakuwa inatumika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza kuangalia namna gani inchi inapasha kuwa na pesa nzuri, pesa yenye kuwa halali katika benki yetu. Bwana Jiska. Asante sana Astrid au Congo, nous sommes toujours ici sur le boulevard du 30 juin. En ce moment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le montrent ces images de caméra surveillance, est en train de faire le tour de ce bâtiment de 5 niveaux qui abrite le service de la cellule nationale de renseignement financier. Et comme tout service de renseignement, le travail quotidien est celui de rechercher toutes les informations ayant trait à des circuits mafieux de blanchiment d'argent, de pouvoir identifier les auteurs, les réprimer et démanteler tous ces réseaux. Donc le travail ici est très délicat, voilà pourquoi nous ne pouvons pas montrer tous les dispositifs qui est mis à travers ces bâtiments, mais soyez rassurés que dans le 5 étages de ce bâtiment, ce service est doté de tout ce qu'il faut et c'est un dispositif qui répond aux normes internationales en la matière. Notre pays, comme on le sait, est présumé justement être parmi ces États où il y a beaucoup de circuits mafieux de blanchiment d'argent. La raison est simple, dans sa partie est, il y a aujourd'hui près de 100 groupes armés. Il y a des armées étrangères, en l'occurrence le Rwanda, qui viennent piller les richesses. Et ces moyens qui ne sortent pas de circuits formels cherchent à rentrer. Et je disais tout à l'heure, Guy Matundu, de toutes ces personnes qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont incapables de les justifier par une activité connue. Et donc ces personnes sont présumées blanchir de l'argent. Parce que lorsqu'on vend de la drogue, lorsqu'on est dans un circuit des drogues, des trafiquants d'armes par exemple, même un vendeur de chanvre, pour prendre un exemple concret, vous voyez un commerce qui est florissant, des consommateurs de chanvre, mais tout cet argent il va où? Le monsieur va chercher à ouvrir un compte et lorsqu'on arrive, souvent on pose la question de provenance de cet argent. Donc toutes ces personnes qui sont incapables de justifier doivent passer par ces services. Alors là, le président de la République vient de terminer le tour d'inspection. D'un moment à l'autre, il va se présenter ici où nous sommes pour une photo des familles. Il a reçu toutes les explications techniques de la part d'Adelbert Kisula. C'est un avocat général, donc c'est dire que c'est quelqu'un qui fait appliquer, c'est un haut magistrat. Haut magistrat, Adler qui suit la Bétikaïe, haut magistrat rompu, qui a gravi tous les échelons de l'appareil judiciaire congolais avant d'atteindre finalement ce poste dans cette cellule nationale de renseignement financier, une cellule si stratégique et sensible, vous l'avez relevé. Donc la mission dont lui a été confiée pour traquer les mafieux, vous l'avez dit, dans la partie orientale de la RDC, plusieurs groupes armés opèrent avec toutes les conséquences que nous connaissons sous le plan du blanchiment d'argent et de capitaux. C'est des dispositifs qui, sur le plan international, ont été mis en place depuis 2001, depuis le fameux attentat de en septembre 2001, World Trade Center. Oui, oui. Alors, depuis, la communauté internationale traque tous
ces mafieux, ces terrorismes, les voies de financement. Et la RDC, avec la situation qu'elle vit, n'est pas du tout épargnée par ce fléau. D'où toute l'importance justement de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au vu de son caractère justement transnational. Oui, le président de la République qui vient de rejoindre le personnel de cette cellule nationale des renseignements financiers pour une photo de famille. Ce sera la dernière étape pour lui, en tout cas, ici. Il a encouragé le personnel. Tout à l'heure, Adelbert Kisula a été clair. Il est conscient de dangers qui les guettent lorsqu'il doit faire face à des circuits mafieux et parfois puissants. Et donc, lui-même, un rompu de la magistrature. Il est imposant par sa taille, imposant aussi par son savoir-être. C'est un haut magistrat. Et donc, tous ceux qui sont coupables des faits de blanchiment d'argent auront fort affaire avec cette personnalité imposante, avec cette équipe. On sait que lui est le secrétaire exécutif, mais le numéro 2, son adjoint, lui est venu de la Banque centrale du Congo. C'est ce que demande justement la loi. Il dispose de tous les pouvoirs pour faire face à ces genres de groupes mafieux qui opèrent en République démocratique du Congo. Ils vont donc le traquer. Alors, nous parlions de cette coopération internationale. Imaginez-vous, cher Guy Matondou, un homme qui a un commerce illicite florissant quelque part dans les îles Vierges, mais qui est très célèbre en République démocratique du Congo sans une activité connue. Donc ces genres de personnes sont également très suivies. Il y a une coopération internationale. Donc c'est un, je donne comme cela, c'est un Somalien, c'est un Érythréen, c'est un Indien, c'est un Libanais. Donc qui est auteur des activités illicites chez eux, mais qui amène les moyens ici chez nous pour le blanchir. Tristement célèbre, et ce genre de personnes sont suivies parce qu'on doit retracer. Et en matière de coopération, justement, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, au vu de son caractère transnational, exige pour être plus efficace la mise en commun des efforts au niveau international. Et à ce titre, l'action de la CNAREF s'inscrit dans les cadres de meilleurs standards internationaux. Et donc, le service d'Adelbert Kisula peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignement financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter des déclarations des soupçons lorsque celles-ci sont soumises à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. Et donc, à cet effet, Guy Matondou, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration des soupçons et lui donne suite dans les cadres des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations. Donc il est clair, avec un exemple, Guy Matondou, donc aujourd'hui on peut traquer ou on peut fournir des informations à n'importe quel état qui juge suspicieuse des transactions d'un citoyen, d'un ressortissant d'un pays étranger. Justement, Giscard Koussema, au regard du caractère transnational de la CNAREF, il y a déjà des accords qui sont conclus. Et les cellules de renseignement financiers de différents pays sont regroupées en collectifs. Je vous ai parlé du GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique, pour l'Afrique centrale, et GAFI au niveau international. Donc, la CNAREF congolaise, faisant partie de toutes ces structures-là, donc coopère déjà avec les différentes cellules de renseignement des plus et plus de ce pays-là. Et les membres de la CNAREF, ça, il fallait le souligner, sont régis par un caractère, enfin, ils sont conditionnés par une clause de confidentialité. Et donc, ils ne peuvent pas fournir des informations sensibles. Ils ne peuvent même pas témoigner devant une juridiction. Et ça, c'est la loi la loi le reconnaît. Donc, comme tout le service de renseignement. Tout à fait. Un peu comme l'ANR. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une instruction, il y a
le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction. Donc, maintenant, peut-être que pendant qu'on est ici, dans un des bureaux, il y a une instruction qui est en cours. Sans que vous le sachiez. Et donc, ils opèrent vraiment. Voilà pourquoi, quand ils ont eu à prêter leur serment, justement, ils se sont abstenus de divulguer les informations qu'ils reçoivent et ne peuvent jamais les divulguer, même pas devant une institution, sauf condition express. Donc, et la loi qui a été votée, la loi contre le blanchiment du capital et le financement du terrorisme, leur donne ces prérogatives-là. Et donc, c'est en principe des anonymes. Okay. Voilà. Et donc, tout celui qui dispose d'un compte bancaire doit savoir qu'il est sous la surveillance de... Oui, et cela se fait un peu partout à travers le monde. On ne peut pas comprendre, par exemple, que quelqu'un qui ne travaille pas, qui a des versements de grosses sommes à une date quelconque, et en ce moment-là, la banque est en droit d'ailleurs. C'est écrit dans le formulaire, hein, on pose toujours la question de savoir connaître la source de provenance, parce qu'on veut lutter justement. Est-ce que vous avez vendu une maison? Est-ce que vous avez vendu des véhicules? Quelles activités vous faites pour que vous massiez autant d'argent? Donc, c'est des sans que l'on en connaisse la provenance. La provenance. Donc, quand la provenance est suspecte, et donc vous êtes sûr. Le processus de la CNRF et les agences et cadres de la CNRF ont été formés pour ça. Je me réjouis de constater qu'au niveau du ministère des Finances, on veut créer un master au niveau de l'Université de Kinshasa pour que les étudiants en droit et en économie, j'allais dire communication, en droit et en économie puissent faire un master de 2 ans devant renforcer leurs connaissances en matière donc de lutte contre le blanchiment de capitaux, les financements du tourisme qui est vraiment un fléau des temps modernes. Alors, tous ceux qui sont dans des circuits illicites de brassage d'argent doivent avoir en mémoire la photo de ce bâtiment, si on peut nous la montrer. C'est un imposant bâtiment sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe. Et donc, lorsque vous êtes invité ici, vous devez savoir que vous devez fournir de preuves suffisantes sur vos transactions, sur le moyen financier dont vous disposez. D'ailleurs, on doit d'ailleurs reconnaître, Guy Matundu, qu'il y a quand même une certaine libéralité en République démocratique du Congo. Je me rappelle, moi, une fois en France, pour avoir sorti seulement 500 euros, j'ai été obligé, on m'a posé une question qui au départ était banale, mais qui pouvait m'amener jusqu'à l'arrestation pour savoir d'où venait cet argent. Et j'ai dit que j'étais en mission, J'ai sorti mon passeport, j'ai sorti également tous les documents et donc on a compris. Hein, il vous arrive par ça d'apprendre que telle ou telle personnalité, l'épouse de telle ou telle autre personnalité a été arrêtée avec une grosse somme d'argent. On se rappellera de ce qui s'était passé sous la primature Mozito Adolphe, si je ne m'abuse. Il y a eu des rumeurs dans ce sens affirmant qu'un membre de sa famille aurait été trouvé avec une grosse somme d'argent en plein Belgique et donc elle était obligée d'éprouver la provenance de cet argent. Donc ce sont des procédures qui sont ordinaires un peu partout. Lorsque vous êtes même en transit au niveau d'Addis Abeba, déjà à l'atterrissage, on vous prévient que tout celui qui a plus de 3 000 $ américains est obligé de les déclarer. Et si vous faites les malins, ils ont tout le détecteur pour voir le volume d'argent que vous disposez. Si vous ne l'avez pas fait, et dès qu'on met la main sur vous, c'est fini. Vous devez passer par là. Si les explications ne sont pas convaincantes, l'argent est parti. Je me rappelle, toujours dans le cadre des anecdotes, feu Tarsis Kasongo Mwema, qui avait plus de 3 000 $. En fait, il venait d'accumuler de mes missions de service, c'est normal par rapport à son rang. Il avait été interpellé simplement à Addis Abeba par des services douaniers, simplement parce qu'il devait justifier, ce n'était même pas une grosse somme d'argent, c'était autour de 5 000 $. Il devait justifier
cet argent. Pourquoi il ne l'a pas déclaré? Heureusement, il avait des ordres de mission parce qu'il venait d'effectuer deux missions. Et donc, il devait justifier cet argent et il a fallu aussi que les services interviennent pour attester cela. Donc, il y a aujourd'hui un peu partout à travers le monde cette lutte contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment, c'est simplement le fait de prendre de l'argent qui vient des activités quelconques, illicites, non connues, prohibées, et qui viennent de les injecter dans les circuits pour le blanchir un peu pour qu'il devienne de l'argent normal alors qu'il s'agit de l'argent sale. C'est cela en fait les blanchis. Et le billet de 500 euros que vous déteniez par devers vous dans la capitale de ce pays européen que vous venez de citer, en fait c'était normal Giscard Kousséma qu'on vous suspecte parce que ce billet-là n'est pas du tout visible. Ce billet de 500 euros, c'est un billet qui n'est utilisé que dans des transactions entre les banques. Et donc, et ces nations-là, et nous allons rejoindre justement ce concert de nations beaucoup plus regardantes quand même en cette matière. Et pour revenir ici, je veux vous dire qu'au niveau de la CNRF, en principe maintenant, si M. Giscard Kousséma, vous voulez vendre votre voiture, votre Jeep à quelqu'un, et si un véhicule, si c'est au-delà de 10 000, vous ne pouvez pas le faire au comptant. Vous ne pouvez pas le faire, ça doit passer par les banques. Donc si c'est 9 999 euros ou dollars, on peut encore comprendre. Mais au-delà, alors pourquoi des voix s'étaient levées lorsqu'on a vu un athlète prendre en cash une somme de 100 000 dollars? Ça choquait certains esprits, non pas parce que le montant est exorbitant, non, simplement parce qu'il n'a pas respecté cette exigence de lutte contre le blanchiment d'argent qui voudrait qu'avec une certaine somme, que tout se passe par la voie bancaire. C'est cela simplement. Tout à fait. Alors, merci. Pour rejoindre le prescrit de la Convention de Bâle. Merci beaucoup, Mathieu Modibangou, les locuteurs du Lingala voudraient comprendre ce que le président de la République est venu faire ici. Pourquoi ces services et que fait ces services au quotidien? Les Quinois qui ont le siège justement de la CNRF sont dans l'obligation de tout comprendre. Yasolo Giscard Kousséma et Sengeli Nakati Kolo Koyeba Motonioso. Mingi penza ba ito bakete bazana misolo miike ba kotomwa misa mitali nkita misala myandenge na ndenge kasi singo kolo misolo mina miza ko uta wapi. Mosala nini ya salaka, misolo miyango mizako uta api, pe mizako hiki sama tango na tango lulenge kani. Baike, nanzela ya mabe, ndakisa misolo, yoko zwa misolo na shimama kila mabato. Oko zwa misolo, poko teka makele matalo na ndenga mayuya, moibi, kubimisa biloko ekolo, na lulenge longo banite. Yangu eko sila te, esengeli mbula matale kolo, eyeba, elandela. Oteka kabiloko makasi, makasi, makaya, makasi. Oto bengi drug. Sika misolo mia yo, oza kozo na ndenge ya mabe, okoweko kelango, mwa butiki, mwa alimentasyon na yo, badbaba na kosombo kwa misolo kwa misolo ya malamu, te, e bandeli na ngomo sisa, ya misolo noeza lulenge kani. Taraka senaref, mosala mokasi mozariete, kuyeba kolandela, eza langa motona koloba na lokola mondele. So na zala misolo mikoko na mikoko, esengeli yokate kolo ya ngai, bayeba, misolo mina mizako uta wapi, mosala nini ngai na salaka. Dans la gatina lelo, mokonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki awa na boulevard ya 30 juin, mingi peza na lobala ya CNRF, kokata elamba elembo ya botali siete, Adler, Betika, banda mosala mwayo, na basali baeba sosalina ya bango, pona kolandela, koyeba, yango ezali bongo, lingomba le lilandela ka, koyeba, moto na moto, na lolenga misolo mwayo, kobanga na yote, masini maso mazali. Bilelengo biso bya mosala bizari ata kololenge kani bako sosola yo lolenge ya misalo mbe yo sika mosala mwa CNRF kolandela koyeba osala kanini oza kozwa wapi talaka mosala moyo moso bosa kosala mosala ministere etali mami ma misolo tika nepsa bino te bayike bako ka CNRF ezali ndoto te lolenge boyebaka IGF inspection générale des finances lolenge CNRF pezali
yango ezali série nationale ya renseignement financier elikobete ezali makambo benzila yoko ekolandela makama tali misolo kati ekolo ya biso Congo démocratique masoma na poete masoma za nzila polele polele lulenge kani makama za kosalema ekolo Congo bosenga bozali boike ezali misolo mingi okata sanduku ya leta na ndenge ya malamu eske ba ekolo Congo démocratique batombola misala ya bango na ndenge ya malamu na disikule masikule mabale masakola miao yango ezalaki ya secrétaire exécutif ya Senaref a pesi matondi na mokonja mboka Félix Antoine Tseke Tshilombo na boyei boye ko kamba mululu mokomo lelo ese ko tala epi melo eye mokonja mboka aza ko pesa kati ya lisangali ya Senaref ko kobosa na teke bakambi baza ko kamba kuna bachaka bango nzela nkase mokonja tche maboko oyo ko benga na il français ordonnance présidentielle ezali bongo mobeko moza ko tambusa bango mondimami iyo na parlement eli ko tali sete ezali mosala mokasi pe mosala monene momoza ko kamba mokati ekolo ya biso ministre Nicolas Kazadi abeti lisolo abeti ezali na banganga mayele bakendaka na il Maurice ko yekola pe ko yikisa boyebi bwa bango na tina botomboli misala talaka nzela eye ekolo Congo eza kokende ngana abeti ezali nzela ya ntombwa ma ezali nzela ete ekolo eza kokende liboso kati ya mwango ya mokonja mboka polele polele misala misa yuko salema po ete moto na moto ayeba na lolenge kani maso maza yuko tambola enge bene na emoni seri ya Félix Antoine Tseke Tshilombo ona lingete ekolo Congo etombwama eke noboso alampe na lolenge elongo bani nde molulu monene mwemo salami moko mwaleo katu nesika osima yango esuka kiwa anate moko njamboka kota kina kati ya ndako enele eye etongami na bipimelo soko pene na mitano akoti atali yemei omiso kasi bilele ngo bihike bizali kuna bomoni yango te yango ezaiko yeba oh mataya zali wana zala misoloboni ayo wana zala misolobia euti wapi ako sa mosala mo nini po epese misolo miike wana ezali penza esiko zaeza kati andako beta maboko beta nsako pamate alima ezeko yigelo kati ya misala mia leta pe kati ya misolo mia leta ezali esengwe kasi na kubona mululu mwa lolenge loye na kubona mululu mwe mosale maki eza kuna na chef Natali Setelabi basali banso ezala leta ezala privé biso banso tokuzoko tia maboko po na botombo ami kasi pa isusu na mwa lombango secrétaire exécutif alba kete ngai na yo biso baso to telema poto bundisa nzela ya misolo mabe to telema yo moni belela lolenge to bagete moni ndo kibelela to bundisa nzela ya misolo mibe po ete kosalete misolo mia leta mitambola malam misala misala malam pe bato baike bae bazane zaleli ebe okati ya bango alika kozwa misoro bobo ibo moto pamba yebe misoro lolenge tumba ekolo Congo démocratique ze ko bunda kuna omonyele mo ekolo ne ekolo Rwanda osima ba M23 ezali bunde ma B masoma na pona makele ma ekolo Congo démocratique soko mbele bato baike bazali kanisilina a sika Senaref efungoli miso ebandi mosala ekoyeba yo ozali dongolo miso bakotia maboko esengelete misoro mia leta mitambola malamu jusqu'à kusema Natondio Botondi, nous sommes encore ici en plein cœur de la commune de Gombe, au siège de la Senaref, cette cellule de renseignement financier, une structure, un service de l'État qui est sous la tutelle du ministère des Finances. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve encore ici. En ce moment, il continue sa tournée. Il est en train de visiter le différents services et il est guidé par le secrétaire exécutif. Tous ceux qui financent le M23 et tous les autres groupes terroristes doivent savoir dès à présent qu'ils auront fort à faire avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et avec Adelbert Kisula, qui est le secrétaire exécutif. Il venait de prêter pratiquement un serment devant le président de la République, prenant les chefs de l'État à témoin et toute la population congolaise pour dire qu'il est conscient du danger qui les guette tous les jours, mais qu'il a des moyens suffisants pour faire face à ces groupes mafieux. Et aujourd'hui, on peut dire que l'instauration de l'État des droits, l'amélioration de la gouvernance ne sont pas des vœux pieux. Aujourd'hui, il y a des preuves suffisante et tangible qui montre que le président de la République est engagé dans cette voie. On se rappellera que bien avant lui, l'inspection générale des finances était un service pas très peu connu, un service quelconque qui était là, qui n'était pas connu, mais aujourd'hui il a renforcé les pouvoirs
de ces services aujourd'hui, tout mandataire de pouvoir public sait qu'il a à craindre ces services qui à tout moment peut passer au contrôle et pouvoir procéder même à des arrestations lorsque les choses ne sont pas clairement bien faites. Mais le mandataire de l'État, hein, c'est l'opérateur économique, exactement, le banquier, les dépositaires de pouvoir. Vous et moi, avant de faire des transactions, toutes les personnes, tous les assujettis, je crois qu'avec ce renforcement de pouvoir, ce capital de confiance que le magistrat suprême a placé en la Sénarev, fera en sorte que n'importe qui réfléchisse plus d'une fois avant de poser un acte pour ne pas être assimilé à un blanchiment du capitaux ou au financement. Comme aime à le dire les Quinois, avant de faire quoi que ce soit, pensez à ces documents, pensez à ces bâtiments plutôt, retenez bien, faites des captures de cran avec cet imposant bâtiment lorsque vous êtes dans de circuits illicites de traitement d'argent. Le bâtiment, en rapport justement avec la sécurité, c'est un bâtiment fonctionnel. Il est hautement sécurisé, et construit vraiment avec le standard international. C'est un peu comme ce qui se passe à la Banque centrale. Donc, n'y entre pas qui veut, n'y sort pas qui veut. Tout est contrôlé au millimètre près. Nous le confirmons, mais nous ne pouvons pas le décrire parce que nous avons fait un tour sans caméra. Je peux vous rassurer que les standards internationaux sont respectés. Voilà pourquoi nous insistons pour tous ceux qui sont dans des réseaux mafieux. Ils devraient avoir fort à faire. Oui, ils doivent faire la capture d'écran ou même la capture Dieu pour se remémorer de ces bâtiments. Alors, il y a au-delà de ça, il y a la Sénaref, l'IGF, la Cour des comptes, dont on a vu le tout premier mandataire prêter serment. Cela ne s'était plus produit. Et là également, le président de la République a donné tout le pouvoir à cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a également, il a créé au niveau de la présidence de la République une agence de lutte contre la corruption. Et donc voilà par le dispositif corsé pour pouvoir traquer. Et les premiers résultats sont là, on a parlé de ce budget qui a triplé, simplement parce qu'il y a du travail fait au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau de la Cour des comptes, au niveau de la Sénaref et au niveau de l'Agence de lutte contre la corruption. Et quelles preuves faut-il encore montrer pour que les gens croient que, effectivement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à améliorer la bonne gouvernance et instaurer ainsi l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous allons continuer donc notre balade avec Godé Kambundi. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, ils doivent savoir que nous sommes encore ici à la Gombe, où le président de la République continue son entretien avec les préposés de la Sénarev. Parce que là, jusqu'à Kusema, tout le monde a dit que le bon, anubu wakumu na mshindu wakwenza monsu mkene mwakwenza wase bamune mwakuluisha bantu babi aba baribikala kuchukondu mchukondu chonsu baso kwikala benda ni lupetu mubibombu biabu kajikaba ibamanya ni mupanyisha nzubwanyi mupanyisha mashinyanyi mupanyisha chitu pachenda chabulobanyi eshi mweza chinyi kajinusa angana ni muntu wewu ujumuikala wenda ni lupetu mumiaba yonsu ujumuikala upitakana angana anubu ase bamuma yinu jini lupetu wabunyi kaji lupetu elu kaba ibamanya ni ndufu mina kwa kasanyi eshi ndufu mina kwa chilanda kubaluka imbenza mwina mjimweo kubaluka anubamu nabu ase mchukon chitu tutuakule chikache bangata bukale kurimoma wakanyinda nzevu kajatibu kondi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mumiaba yonsu idimika li kengejibwa nitu njadikila buase mpetu idimika le ivula mjifuetemu bwalubwa badiba kwata bonsu badibika le bendana hii muka mfuifu nubamu nani
IGF ou de Mikala Muni Mwa Abba Bonso, Bikala Bajan Petu, Yambulamata di Bum di Tumbele Toabu, Bako Bina Bikala Bananabu, Banani Petuei, Mujubikala Baswa, Ubakun Sharikabase, Ababa di Bikal, Bobu Mulo, Wenza Nasha, Bumuji, Ujinga Mokuima Bakampanda, Nibajing Mokumanya se, Ujin Lupetu Bunimun, Lupetu Bibikangela se, Wewanka Yeb, Umana Mokulu Leja, Kuji Ababa di Bakulombalol. Chanana numona mwa kwikalabu bakubikil mbokushari kapatoka se muzu bwewo wa Senaref yeye u mulongolole byakana mukumbaje bimpu bwakala kubikila muntu yonsu dibu bamunani muntu omumwene kana uju wendakana mukamfui mfui kene mwikala ni lwendu lwimpananje bali bakubikila bwakubanku kwela nkonku bwani lupetwele bunyinu duju wendanal uju mulupeta peny ndwanganye ndufu mina kujinganye utufanyisha chinyi utuye ku Dubai yanyi utuye ku Matadi yanyi utuye ku Este bwakusumba bintu yanyi uji commerçant wa chikondukai ukamweze bijimu bunyi munyi bwalubwa uju wendani lupetwelu lupita bunyi mubibuta byebe kibwalukai byonso biji bilongolola bwakumana mushindo akwenza bwase aba bonso ribenze bijimu mibi mukamfui mfui bamuna mwakalba bene byanza mumikaba jusqu'à kusema. Toi, Sakidila Wabuni Astrid, au Congo, le président de la République est encore ici. On ne le voit pas, mais il est en train de faire le tour de bureau de la CNRF, cette cellule nationale des renseignements financiers. On ne cessera pas de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est en fait la journée de vulgarisation de la loi contre le blanchiment d'argent. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris il y a peu, il y a deux mois seulement, c'était au mois de décembre, le 22 décembre, il avait pris la loi sur le blanchiment d'argent et c'est une loi qui est pratiquement la même que celle qui est en vigueur dans tous les pays du monde. Et c'est donc dire que la République démocratique du Congo voudrait se distinguer aussi dans la lutte contre la corruption parce qu'elle est aujourd'hui dans ce qu'on a appelé ici sous surveillance. Nam ni hakika kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ikuwe inafuatilia swali inayohusika na mambo ya uchumi kwa kuweza kustawisha kabisa uchumi wa nchi. Ndiye bwana Nikola Kazadi, waziri husika na mambo ya pesa, aliweza kusema neno ya muhimu ya kusema kwamba kwa kuruhusu Senareke iweze kutumika kazi kama inavyostahili, inafaa waweze kuwapatia namna ya matumikio ya kazi waendelee kutumia kazi yao kama inavyostahili. Ni sharti wawe na namna ya matumikio ya kazi. Bila matumikio ya kazi hawatatumika kazi vizuri. Kwa kuona kwamba Senaref inafuatilia namna ya pesa, unatumika kazi gani juu uwe na pesa fulani, unafanya nini juu uwe na kiasi cha pesa fulani. Ingawa kama uko mchuuzi, inafaa wajue uko unachuuza kitu gani juu uwe na pesa ya namna hiyo. Ingawa kama uko sijue mfanya biashara wa inchi gani, inafaa waweze kujua ni biashara gani uko naingiza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu wengine wanapata pesa kwa njia ya magendo, kwa njia ya wizi ndio wako napata pesa. Na hayo yote inafaa kuweza kuikanusha kabisa. Ndiye Senarek iko inafuatilia na kuweza kukanusha, kutafuta kustopesha kabisa pesa yenye kutokea kwa njia mbaya, kwa njia isiyokuwa halali. Inafaa kuweza kuistopesha sababu inchi haizi kuwa inaingiza pesa yenye haitokee katika njia bora. Bwana Jiskar kusema. Merci beaucoup Astrid Okongo, le président de la République va prendre congé donc de l'équipe de la CNRF, lui qui doit être en ce moment très heureux d'avoir mis en service ses services et d'avoir donné tout le moyen à ses services qui est chargé de traquer, de démanteler tous les réseaux mafieux de blanchiment d'argent, et ceci procède de sa volonté de pouvoir protéger le circuit formel financier de la République démocratique du Congo et surtout de la République démocratique du Congo est comptée justement parmi ces pays, c'est simplement par rapport à ces espaces qui sont sous contrôle de groupes terroristes et groupes armés qui ont développé une économie informelle, une économie criminelle qui est fondée sur le pillage de richesses
de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le président de la République vient de renforcer cet arsenal de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent en donnant tous les moyens à la CNRF pour que la République démocratique du Congo puisse protéger son économie et améliorer ainsi son image de marque. Le chef de l'État va donc partir du siège de la CNRF ici dans la commune de la Gombe. Nous rappelons que ce bâtiment a été complètement rénové. Les travaux ont duré quelques 2 ans et entièrement financés par la République démocratique du Congo sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des moyens importants, des moyens humains et matériels ont été donnés à la CNRF pour lui permettre de bien faire son travail. Alors, tout le plaisir était pour nous de pouvoir assurer cette retransmission en direct depuis les sièges de la CNRF dans la commune de la Gombe. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à toute cette équipe qui nous a permis de vous faire vivre cet instant. La RTNC, on ne le dira jamais assez, c'est la chaîne de grands rendez-vous et la chaîne des grands événements. Et nous serons toujours là pour vous servir avec la même ferveur. Merci à Guy Matundu, merci à Strido Congo, Godé Kambundi, Mathieu Moudibango, Geneviève Kumba et à toute l'équipe technique. Au revoir, nous nous retrouverons dans les prochains jours. Merci.